Let's go. Depart to the top. On dirait la zone centrale. On est enfin arrivé. Ça nous a pris un moment. Les fans, c'est est-ce que c'est le point le plus haut, notre destination? Correct. Les archives akashiques sont contrôlées par ce point. C'est-à-dire que Gruta doit être quelque part. C'est le moment, Adol. Dépêchons-nous. S'il commence à transférer ses intentions dans les archives, il sera trop tard. Ou plutôt interférer avec les archives. Ah bah ouais, il est là. Treasure Hunter, j'ai le succès, je suis un homme heureux. Je ne veux plus rien savoir. Pour moi, le fun a été exécuté. J'ai mis toi à côté, hein. Je mets les armes les moins fortes, mais au final, le mob, il veut pas mourir. Hein. Attends, on le voit qu'il va tenter d'attaquer. Oh, j'ai looté le dernier skill. Aura Fencer. C'est un ultra. Et comment? Bam! Bam! C'est vraiment juste un... Ça doit faire mal, hein. On est d'accord que c'est son dernier skill. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, s'il touche, il fait un petit slash. Voilà. Ouh. Rien que pour ça, j'aime beaucoup l'idée. J'ai bien envie de voir comment il sera au niveau maxé. Mais après, je vais peut-être pas le maxer, mais juste si on a de la chance, dans un malentendu. Bon, je trouve plus les items. Ah, mais c'est parce que c'est pas là du tout. Ils sont là. J'ai bien envie de jouer aussi avec... Oh, j'ai envie de mettre tellement d'items. Le boss va arriver en vrai. On va mettre ça, Hero Ring. Comme ça on lui met l'ultra modifié d'Adol. Dans les dents. Allez, let's go. Les archives. Finally. Best skill, il doit toucher. Ouais, j'ai vu. Mouda Mouda. J'aime bien comment il pop comme un Pokémon, Gruta, le roi. Alors tu es venu, Adol. Je dois être honnête, je ne m'attendais pas à que vous me suiviez jusqu'ici. Mais je dois vous honorer de tout mon cœur d'avoir réussi à arriver jusqu'ici. Mais tout cela ne changera rien pour moi. Adol n'est pas comme toi, il pourra tout changer lui. Adol est exactement comme moi. Les humains sont des créatures hautement insignifiantes. Il faut simplement regarder leur histoire et voir toutes les erreurs qu'ils ont faites maintes et maintes fois. Heureusement qu'ils se sont visés. Ils savent ce qu'ils doivent faire et pourtant, ils demandent toujours plus au futur. Et ils ignorent les conséquences et maintiennent le statu quo.
Alors, je comprends ce qu'il veut dire, mais c'est chelou. Bref. Les nombres prouvent qu'ils ont la capacité de trouver ce qui est réellement nécessaire et ce qui doit être fait, et pourtant ils ne font rien. C'est ironique, n'est-ce pas? Et le nier ne vous aiderait pas. Vous savez très bien de quoi je parle. Imagine que t'as raison. Mais même l'humain le plus insignifiant cherche à survivre. Si sa vie est menacée, il cherchera désespérément à la préserver. Et c'est dans ce but-là que je fais ce que je fais. Nos ancêtres ont combattu pour obtenir le pouvoir des dieux à des fins égoïstes. Mais pas moi. J'ai aidé à tester le potentiel de l'humanité. Tester si, oui ou non, ils ont le droit d'exister. C'est l'objectif de la nouvelle génération des êtres des ténèbres. Maintenant que les archives akashiques et le masque du soleil est en ma possession, offrez-moi votre pouvoir. Oh le... Le Ménélite. Il essaye de copier les fonctions des archives akashiques en lui-même. Pas même un dieu serait capable de survivre à cela, alors un humain. Son corps et son âme vont être accablés par le fardeau. Je vous l'ai dit, je paierai n'importe quel prix. Je serai capable de tenir la difficulté si ça doit être fait. Maintenant, Adol, surpasse ce défi et montre-moi le vrai potentiel des humains. Damn. Akashaglifu, le faux dieu de la causalité. C'est Berserk. Il y a la causalité, c'est Berserk. Il y a la causalité, c'est Berserk. C'est Berserk, c'est Berserk. Nani. Bakana. Il a absorbé toutes les archives akashiques. Quel homme terrifiant. Adoru. Si on fait pas quelque chose à son sujet, le monde est foutu, Adol. Adol, il va tout réécrire. Adoru. Adoru. Son pouvoir semble être instable. C'est peut-être notre seule chance de l'arrêter. Oh, let's go, let's go, let's fucking go, man. That's what we love to see. That's what we love to see, man. Minna, gambare. Des piliers. Ah, je sais. Il faut taper avec les waifus. La garde. Wow, fuck you, man. Oh, la garde. Au bout, au bout. Je pars, moi. Oh, la musique, comment elle est incroyable. Oh, le dog.
On peut le toucher ou pas? Je pète le poteau. Parade. Je peux toucher qui là? Ramène ton cul. Voilà, ramène ton cul. La petite elle tape plus parce qu'elle a plus de PV. Garde, on te dit. La garde. Ah, mes PV. La garde. Enfin, il nous envoie la connaissance du monde à la gueule. Vas-y, mets une patate, c'est plus. Ah, okay. La garde toujours. La garde. Et ultra. Quel plaisir. Oh, il lui a mis le soleil dans le cul. Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini? Oh, la petite, elle fait disparaître son marteau. Je ressens plus la puissance provenant de cette puissance sur faramineuse. C'est super calme. The Darkling Order. Ouais, bon. J'ai arrêté de chier de l'argent. Vous pouvez plus sauvegarder, c'est fini. Oh, d'accord. Hein? C'est terminé maintenant, Adol. Adol, il ne reste rester ici n'est plus nécessaire. Nous devrions récupérer le masque du soleil et retourner voir Eldel. Ruda, quel idiot. Alors le centre des archives akashiques, c'est ici. Les gens du seigneur Eldel devaient avoir des compétences ridicules pour avoir créé un endroit pareil. C'est les Eldel qui l'ont créé. Allez Adol, il est temps de rentrer chez nous. Oui. Le roi il est en mode. Maintenant, j'ai le pouvoir pour moi. Je vais mettre le masque du soleil et changer la taille de ma... Qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre? Adol, les fans. Eldel, c'est toi, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé de vous déranger, mais après tout ce que vous avez fait et le combat difficile que vous avez dû mener, s'il vous plaît, revenez vite au temple du soleil. Je vous expliquerai tout lorsque vous serez revenu. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? J'en suis pas complètement sûr, mais dépêchons-nous. On devrait retourner voir Eldel rapidement et on aura des réponses. Ça sert à rien de rester ici. J'ai un mauvais pressentiment. Barrons-nous. On peut se TP normalement. Ah, je peux pas me TP. Attendez. La vraie fuite, c'est comme ça. Nigrundayo. Cinq points infinis. Déjà, putain, le speedrun. Quel homme. What a man. Ah, la stratégie de la famille Joestar a payé.
Merci, que Dieu soit loué, vous allez bien. Mais Dieu, il est à ta droite. Dans ce jeu, hein. Je suis heureux de vous voir tous en vie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer, Elden? Adol et ses amis sont sortis victorieux, mais on dirait que tout ne se passe pas comme prévu. Un autre tremblement de terre. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Enfin, il y a des tremblements de terre dans notre monde également? Sérieusement, je pensais que tout ça était fini. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir qu'on discute de ce qui va avoir lieu. S'il vous plaît, suivez-moi. Moi, je te dis samedi, on va jouer ensemble. Oh mon dieu. Quelque chose d'anormal est en train d'avoir lieu dans les archives akashiques. Si tu me payes une pizza, why not? En effet, je pense que les actions de Gruda et... qui... hein? Je pense que les actions que Gruda a menées dans l'Iris ont créé des inconsistances et des contradictions dans notre monde. J'ai bien peur que les tremblements de terre et d'autres événements similaires sont les résultats des archives ayant été détruits et absorbés par Gruda. Mais qu'est-ce qui va se passer si ça continue? Il y a 800 ans, cette région est devenue la Grande Forêt, en résultat des actions de la partie de l'homme aux ailes noires. C'était pas une forêt avant? Mais non, c'était un royaume, je vais la tuer. J'ai toujours rien compris. C'était pas le cas. Et considérant ce que Gruda a fait cette fois, les conséquences seront bien plus grandes. Au pire, le continent, ou la partie ouest du continent pourrait être submergée sous l'océan, avec celle s'étant en son centre. C'est pas possible. Sous des circonstances normales, je serais capable de rentrer dans l'Iris et réparer les archives. Mais les erreurs sont beaucoup trop grandes et excèdent mes talents, et même moi je ne pourrais pas les réparer. Non. Seigneur Eldel, il doit y avoir un moyen d'arrêter tout cela. Il y en a un. Adol, tu vas devoir te demander de détruire le masque du soleil. Quoi? Le masque du soleil est effectivement la clé pour la clé maître des archives akashiques. Si elle est détruite, conception, les archives akashiques n'existeront plus et n'influenceront plus l'existence du monde. Mais attendez, c'est vraiment une bonne idée de faire ça. Je veux dire, on n'en a pas besoin, nous. Mais je ne vais pas permettre à ce continent de disparaître et de connaître le destin tragique de notre terre natale. T'es qui? Il a dit un truc trop intelligent. T'as... C'est ça qui est bien dans Yves. Faut savoir que le continent natal des Eldiens a submergé sous la flotte. Seigneur Eldel. Mais à ce moment-là de l'histoire, personne n'est au courant. Cependant, il y a une complication dans le plan. Le masque du soleil ne peut pas être détruit si facilement, vous imaginez. Mais on fait comment alors? S'il te plaît, considère ça comme une requête personnelle, Adol. Il va falloir que tu l'amènes au mont Vésuvio et que tu le jettes dans le cratère tel l'anneau pour les contrôler tous. Fais attention à Gollum. La montagne aux deux pics. Oui, l'énergie qui coule à travers cette terre est capable de détruire l'anneau. C'est un artefact puissant. Mais la route qui mène au volcan est inaccessible. Elle l'est à nouveau. J'ai inspecté la zone en venant sur le dos de Bahamut et les tremblements de terre ont fissuré la montagne. Il devrait y avoir un moyen d'atteindre le sommet grâce à cela. Mais il faudra le faire vite car l'endroit est dangereux à cause des tremblements de terre. Ce sera une tâche d'une difficulté énorme, mais je te la confie, Adol. Je t'en supplie, aide-nous. Seigneur Elden. Tu peux pas voler jusque là-bas? I'll give it a try. Merci, Adol, du fond de mon cœur. Nous avons peu de temps. Tout, n'importe quoi pourrait avoir lieu à n'importe quel moment. Alors, s'il te plaît, dépêche-toi. Rends-toi au mont Vésuvio. C'est notre dernière chance de sauver tout le monde alors. Très bien, on sera à tes côtés, Adol. On est venu jusqu'ici, on peut pas faire demi-tour. Oh, la montagne du destin. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais on n'aura aucun regret, on va donner tout ce qu'on a.
Après être arrivé aussi loin, ce serait débile de s'arrêter. Alors Christine, je laisse le destin du monde entre tes mains. Don't even worry, man. Ah mais je peux pas me TP, incroyable. C'est-à-dire que c'est vraiment un speedrun. Hyper vitesse. Hein? Quoi? Mais c'est quoi ces merdes? C'est des monstres fantomatiques bizarres ou quoi? On dirait que c'est des monstres qu'on a... On a jamais vu des monstres pareils. Peu importe, on leur pète la gueule. Yes. Ils se sont fait one shot. Bah j'imagine qu'on est devenu vachement fort, mais comment ils ont pu entrer dans le temple? Ce serait plus simple de dire qu'ils sont apparus dans le temple. Seigneur Eldel? Enfin, tu vas pas nous refaire une explication alors qu'il n'y a pas le temps. J'ai bien peur que le désordre qui a touché les archives ait commencé à faire à être réfléchi sur le monde avec ses ombres. Des phénomènes similaires doivent avoir lieu partout dans le pays. Et merde. Dans ce cas, on n'a pas une seconde à perdre. Le temple n'est même plus en sécurité. On est même plus en sécurité dans le temple. Ozma, y a un souci? Adol, je vais rester ici pour protéger le seigneur Eldel. Seul? Mais on peut pas te laisser faire ça tout seul. Je reste avec toi. Non, Frida, toi et Duren, vous êtes les plus familiers avec cette zone. Vous devez y aller à ma place avec Adol. Je vais prendre soin du seigneur Eldel. Ozma, merci. Je ne connais pas très bien la zone non plus, mais... pas mieux qu'Adol, alors je vais rester aussi. Karna? Oh, Karna qui veut rester avec Ozma, trop mignon. Si tu restes tout seul, les ennemis vont finir par te paralyser et tout sera terminé. Alors je serai là pour être sûr que ça n'arrive pas. À Komodo, on a toujours chassé en groupe. Et être au minimum deux, c'est le mieux, pour cette raison pure, pour cette raison même. Merci beaucoup, j'apprécie ta gentillesse. Merci à vous deux. Ne baissez pas votre garde. Ne t'inquiète pas pour nous. Ne t'inquiète pas, on laissera personne s'approcher du seigneur Eldel. Très bien, allons-y. Groudra ne détruira pas Celceta. On est là, on vous laisse protéger tout ça. Yes. Oh, j'ai même pas le droit de faire toute la traversée. Il y en a de plus en plus derrière nous. Quoi, mais ils nous suivent ou quoi? Ils pourraient être attirés par le masque du soleil. J'en sais rien, mais vu leur nombre, ça va être compliqué d'avancer. Out of the way! Ah, oh, c'est Léo. Mais bien sûr que c'est Léo. Oh, mais il est fort. What a man. Commandant, attendez-nous. Dantio! Ne nous laissez pas derrière. Bandidio! Vous avez besoin de plus d'entraînement. Je devrais dire qu'ils sont assez forts pour regarder le rythme. Léo, Remnos, Sancho et Panza. Putain, j'ai jamais dit leur prénom. Vous faites quoi ici? On a entendu tout ce qui s'est passé de la part de l'arbre Roda et du Grand Roux. Vous êtes là pour nous aider alors? Je fais simplement mon travail. Je suis ici pour protéger ce qui arrive à ce pays, car c'est les ordres du gouverneur général en tant que Romain. Romun. Mais je ne crois que ce que je vois. Il trouve des excuses, mais il veut juste vous aider. Oui, le commandant a un cœur d'or. Et il veut que Adol sauve le monde. Fermez-la, bandidio. Adol, ne reste pas planté là. Va à la montagne du destin. Et jette l'anneau dans la lave. J'imagine que Karna n'est pas avec toi, car elle fait la même chose que nous et essaie de protéger le monde. Tel frère, telle sœur. Merci beaucoup. Adol, on n'a pas de temps à perdre, faut y aller. Let's go. Ah, ils vont tous s'arrêter pour protéger, pour me laisser avancer. Tels des vrais bros. Eh ben. Je sais que les hommes ne savent pas quand abandonner, mais les fantômes. Est-ce que je compte comme un homme ou tu parles de ces choses? Arrêtez de raconter n'importe quoi, vous deux, et attaquez-les. Oh bah Amut, vous allez bien? J'ai entendu tout ce qui s'est passé de la part de Karna, alors je suis venu aider. Lisa! Mais arrêtez de me parler et laissez-moi avancer. S'il te plaît, avance Adol.
Ben, sans blague. Je vais rester vous protéger. Tu es sûr? Oui, je contrôle tout. Très bien. Je reste avec toi car je suis ton ami. L'amitié, tu connais? Oui, je connais. Reste avec moi, merci. Merci, trop bien, yes. Avance, finis l'histoire, yes, merci. Ne faites rien de stupide, c'est dangereux. T'inquiète pas, je suis plus fort que toi, yes. Et ça court. Oh putain, je vais les tuer. Fais attention, Frida. Oula. Alors ceux-là, ça a l'air d'être des ombres de haut niveau. Le masque. Oh, c'est Gruda. Si les archives akashiques ont donné naissance aux obsessions de Gruda, ça doit être ça. C'est pas possible. Regarde-moi ça, il nous bloque la route. Il y a plus qu'une chose à faire. Ce sera quelque chose d'assez satisfaisant de casser la gueule à des trucs qui ressemblent à Gruda quand même. Ah, j'avoue que l'idée ne m'aurait jamais passé de l'esprit. Allez Adol, on va forcer le passage et tu pourras atteindre le sommet. Mais Nani, mais ils font mal. Bon vas-y, c'est la fin, moi je rigole plus. Hein. Crevez, bande de merde. Dash. Fuck that shit, man. Frida, fais attention. Il y en a encore. Ils n'arrêtent pas d'apparaître. Mais on est presque au top. On a besoin d'y arriver. Frida. Continue avec Adol Durel. Vous deux atteignez le sommet, je vais retenir ces ombres. Ne vous inquiétez pas pour moi. Vous êtes presque au sommet. Allez-y et sauvez tout le monde. Je suis désolé Adol, mais il va falloir que tu t'en sors tout seul jusqu'au bout. Je sais pas si tu vas y arriver, mais c'est tout ce que je peux faire pour toi mon gars. Alors nous abandonne pas. T'as intérêt de rester en vie. Ah, tu crois vraiment que je vais mourir? À qui tu crois que tu parles? Durel, Nina, il est temps de leur montrer ce que font les guerriers de banane. Of course, man. Let's go, Adol. Let's go. Encore un motherfucker? Do we need another motherfucker? Phantom Gruda. Get out of my way.
You motherfucker. It's not over yet, Snake. Not yet. I'll kill you. Now. C'est la mentalité qu'il faut. Tue seulement, tue. Tu m'as littéralement fait 12. Tu sais comment que tu pars cette merde? Touche-moi. Oh la parade. Il est déjà mort. Ah ça va faire mal hein. Oh il a résisté aux flammes. Ah non c'est bon il est mort. Happy il est déjà au 12. Attends laissez moi finir le jeu. It's time, guys. Il faut jeter l'anneau dans la montagne du destin. Let's do it. Ou non ! La lave bouillante du volcan crée des bulles en bas. Ça a l'air vachement chaud. Jeterez-vous le masque du soleil dans le cratère? Ah, on peut dire non. Ça ne fait rien. Trop marrant. Et la Gollum. Non, black. Fuck, man. Oh, les aigles, mais c'est le Seigneur des Anneaux, mais c'est le retour du roi. Fin de Dieu. Adol, il est mort pour sauver le monde. Quel homme, jeune et fougueux. Je ne saurais pas être plus d'accord que ça. Quelle chance d'avoir pu rencontrer un homme comme lui dans mes derniers moments. Vous êtes donc déterminé à y aller, n'est-ce pas? En effet, mon cher ami, l'humanité est bien plus forte que ce que je pensais. L'âge des dieux est terminé. Les archives akashiques ont disparu et perdu leur pouvoir. Mon devoir est terminé. Je peux maintenant reposer en paix. Adol! Est-ce que tu vas bien, Adol? Mais bien sûr qu'Adol est vivant! Est-ce que tu vas bien, Adol? Comme ça on ira, faudrait m'aider pour les vents éthérés. Un jour, mais laissez-moi lire mes dialogues, bande de salauds. Tu vas bien, Adol? Je vais bien. Oh, tu es réveillé? Oh, Dieu soit loué. Je me sens tellement mieux. J'ai cru que j'arriverais trop tard. Quand j'ai vu le volcan, quand je savais que le volcan deviendrait plus actif,
mais je m'attendais vraiment pas à qu'il entre en éruption. Elkudé est un endroit tellement dangereux maintenant. Je te ramène au village de Danann. Et les autres? Ils vont tous bien, ne t'inquiète pas. On va tous les rejoindre à Danann. Nina les a informés que tu es en sécurité il y a un moment. Oh, t'escorter comme ça, ça me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés. Tu n'arrêtais pas de me poser des questions tous les instants. Tu n'as même pas... dès que j'ai mis les yeux sur toi. Maintenant que j'y pense... Je me demande quelle connaissance le seigneur Eldel voulait t'offrir. J'avoue, il voulait peut-être m'apprendre à créer des fusils. Oh, Adol? I remember. Oh, je vois. Quelle honte, quel dommage. J'espérais t'offrir la connaissance qui te mènera vers le monde de l'Ouest, qui représente l'Europe. Et également la cartographie du monde de l'Est, en tout cas tout ce qu'il reste des territoires non visités. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'un jeune homme de 18 ans ait le vœu de vouloir explorer le monde entier tout seul, sans aucune aide. Ah mais bien sûr, c'est l'appel de l'aventure. Je me sens tout d'un coup hésitant à demander à quelqu'un d'autre. Ne demande pas à Christophe Colomb. Ce sera moi, Adol, Christine. Eh bien, Adol, j'imagine que dans ce cas, je n'ai aucune connaissance à t'enseigner. Tout du moins, est-ce que tu pourras au moins me donner ton nom? Naturellement, je ne veux pas que tu me donnes ton vrai nom. Je le connais déjà et je m'en sortirai très bien avec. Mais je voudrais simplement t'offrir un titre. Pour un homme qui a une curiosité infinie et qui rêve de tout visiter à travers le monde. Comment est-ce que je pourrais le mieux décrire les hommes comme toi, des individus aussi remarquables? Bien sûr, un aventurier! Mais oui! Mais oui! C'est l'aventure! Qui commence les chroniques des événements qui arrivèrent durant la vie d'Adol dans la grande forêt de Selceta arrivent à leur fin. Comment est-ce que les habitants de la grande forêt qui ont rencontré Adol ont vécu ces aventures pendant le reste de leur vie? Comment est-ce que l'existence des terres primales a été gérée par les connaissances de l'Empire romain via le gouverneur général Griselda? Qu'en est-il de toutes les questions sans réponse qu'Adol a trouvées et toutes les réponses aux questions qu'Adol a fournies? Quelles étaient toutes les sagesses qu'Eldel aurait pu offrir au monde? Était-elle encore intéressante? Est-elle tous perdue à travers les archives? En réalité, il y a bien d'autres choses et d'aventures spectaculaires qui restent à vivre à travers les aventures d'Adol. Et peut-être que le fait simplement de choisir une fin à ce journal particulier est une manière d'envoyer un message fort. En tout cas, c'est ma théorie. Oui. Le message fort, c'est que l'aventure ne s'arrête jamais. Et oui, Samy, c'est à partir de ce moment-là qu'Adol fut appelé un aventurier. What a game, man. J'ai tellement hâte de faire le 9. Hein. Ça m'a trop hypé de refaire l'île, hein. C'est abusé. On va s'arrêter là.
Oh, mais je vous rappelle hein, que peu importe à quelle fois on parle de Dieu dans le jeu, les mecs aux ailes blanches dans Is, ce n'est que la civilisation qui a vécu il y a genre 2000 ans, ou je sais plus combien d'années, des Eldel, qui à cause des Darklings, qui sont les êtres des ténèbres, qui sont les ancêtres des gens qui vivent dans le village de Danann, donc en gros les ancêtres de Frida et de Guren et de Duren et de Gruda et de Guise et de Ernest, ces ancêtres là, ces salauds ont essayé de voler la connaissance des dieux qui étaient des dieux, mais après c'est pas des dieux, c'était des Elden, c'est juste une autre race, c'est une race qui était de chair et de sang mais qui avait des ailes dans le dos, et leurs ailes elles leur permettaient de gérer la magie, etc, etc. Et eux, ils ont appris à créer de l'Emlas blanche et de l'Emlas noire qui avaient des pouvoirs magiques incroyables. Les humains ont essayé de la récupérer, ils ont raté. Puis ils ont essayé de prendre contrôle d'un artefact qui gère la météo. Donc le truc, il gère la météo, tu vois. En gros, il allait y avoir des inondations et des tsunamis. Le bazar, il est venu, il a dit non, il n'y a pas de tsunami, tu vois. Ils sont allés dans cet appareil et ils ont essayé de comprendre comment il marche pour avoir la magie des Elden. Mais la machine est partie en couille et a créé justement des tsunamis et des vagues de fous qui ont détruit tout le continent de l'Amérique, enfin, en tout cas la moitié où vivaient les Eldel, et la plupart sont morts, la plupart sont retournés aux cieux, et quelques-uns d'entre eux, dont Fina et Rena qui sont partis en Esteria avec la perle noire, Eldel qui est parti en Celceta avec les archives akashiques et le masque du soleil, et peut-être qu'il y en a d'autres qui ont fait d'autres trucs dans d'autres Is, et on verra plus tard. Et eux ils deviennent immortels parce qu'ils ont transformé leur corps de chair dans des corps immortel des Mlas Blanches. Quelle vie. Mais du coup, Eldel, il va mourir. Ah, mais vous voyez pas, il y a des trucs trop stylés à l'écran. Sans doute fini. On a vu Eldel qui parlait avec des roues. Il n'y a pas le plugin dans ce que tu m'as envoyé. Mais c'est normal. De toute façon, même si je t'envoie le plugin, il marche pas. Faut que tu récupères un plugin qui fonctionne. Va sur internet ou sur les Discord ou peu importe. Ou demande aux gens. Tape FF14 plugin ACT et tu le trouveras. Si tu le télécharges, n'oublie pas de faire clic droit, propriété, débloquer. Parce que les DLL sont toujours bloqués pour être envoyés par mail ou par des liens de téléchargement. Merci d'avoir joué jusqu'à notre prochaine aventure. C'est toujours bien les merci d'avoir joué en fin de jeu. Faut oublier de faire ça. Faut oublier. What a game. Voulez-vous sauvegarder vos... Ah oui, vous sauvegardez le New Game Plus. Vous êtes sûr de vouloir fermer le menu? Oui. Et deux succès. Memories Unfolded, parce que j'ai tous les souvenirs. Le dernier souvenir était à la fin du jeu. Et l'autre qui était... j'ai même pas fait gaffe. C'est lequel le dernier que je viens d'avoir? Memories Unfolded et... Dun, 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 dun. Et Aventurier, pour avoir terminé le jeu. Quelle propreté. Mais du coup, on est quoi? On est le 9. On est à la veille de... On est à la veille de Cybertrunk et Cyberpunk. On verra ce que ça donne. En tout cas, si ça se trouve, ça me prendra un milliard d'années de le télécharger. Normalement, moi, j'ai le CD. Du coup, peut-être ça ira un peu plus vite. Mais de toute façon, il faudra télécharger un milliard de trucs. Quand ce sera téléchargé, on y jouera. Entre-temps, je crois pas que je vais stream ou jouer à quoi que ce soit. Pour FF, vous êtes chiant quand même pour FF. Hein. Je sais pas. On verra. Allez, bonne nuit. 9h, ça va. Et n'oubliez pas,
les sadiques, tant que vous y êtes pas allé et que vous avez pas tué, vous êtes des merdes. Bonne nuit.